Une dictée pour tester votre français, ça vous dit? Bonjour mes très chers amis, vous êtes sur la chaîne Oupia avec Oupia, le français facile et amusant pour tous, un peu, beaucoup, passionnément. Aujourd'hui, j'ai choisi de travailler avec vous une petite dictée à partir de quelques extraits du livre qui se nomme Le Lion de Joseph Kessel. Eh bien, mes chers amis, je vous remercie grandement pour vos abonnements, pour vos partages, vos likes et pour vos visites sur ma chaîne. Votre soutien me touche énormément. Merci beaucoup encore et merci de regarder cette vidéo. Eh bien, nous allons voir un petit résumé de ce livre avant d'attaquer la dictée. Aujourd'hui, cette dictée que je vous propose est un extrait du Lion, un roman de Joseph Kessel. Il raconte l'histoire d'un amour fou entre une petite fille nommée Patricia et un lionceau devenu un fauve impressionnant qui s'appelle King, roi de la réserve d'Amboseli. Cette dernière est située au pied du Kilimandjaro et le père de Patricia en est le responsable. Mais King est en danger. Oriunga, un jeune Maasai amoureux de Patricia, est décidé à le tuer pour devenir adulte et gagner sa place parmi les guerriers de sa tribu. Dictée. Avant de commencer la dictée, mes très chers amis, je vais vous lire bien sûr les extraits que j'ai choisis pour vous aujourd'hui. Il y a une première partie et une deuxième. Je vais vous laisser libre choix d'écouter bien sûr ces extraits et de choisir celui qui vous touche le plus, qui vous parle le plus, et vous l'écouter une fois, deux fois, trois fois, même plus. Et ensuite, vous essayez de l'écrire en dictée. Sinon, vous pouvez, sans regarder le texte, écouter et écrire en même temps. Et voilà, c'est comme ça que vous allez tester votre niveau en français. Allons-y si vous êtes prêts. Première partie. Gazelle, antilope, girafe. Gnou, zèbre, rhinocéros, buffle, éléphant. Les animaux s'arrêtaient ou se déplaçaient au pas du loisir, au gré de la soif, au goût du hasard. Le soleil, encore doux, prenait en écharpe les champs de neige qui s'étageaient au sommet du Kilimandjaro. La brise du matin jouait avec les dernières nuées. Deuxième partie. King lécha le visage de Patricia et me tendit son mufle que je grattai entre les yeux. Le plus étroit, le plus effilé me sembla plus que jamais cligner amicalement.
Puis le lion s'étendit sur un flanc et souleva une de ses pattes de devant afin que la petite fille prît contre lui sa place accoutumée. L'histoire d'un amour fou entre une petite fille et un lion. Après la dictée ou avant même la dictée, voici un petit lexique, mes chers amis, qui vous explique quelques mots de vocabulaire. Fauve, grand mammifère féroce. Félins, entre parenthèses, qui sont les lions, les tigres, les panthères, etc. Réserve. Une réserve est une partie du territoire où la conservation de la faune, de la flore, du milieu naturel présente une importance particulière. Kilimandjaro. Le mont Kilimandjaro est la plus haute montagne d'Afrique et aussi la montagne isolée la plus haute du monde, donc 5895 mètres. Maasai. Les Maasai constituent une population d'éleveurs et de guerriers semi-nomades d'Afrique de l'Est, vivant principalement dans le centre et le sud-ouest du Kenya et au nord de la Tanzanie. Guerriers, personnes combatives et énergiques. Tribus, agglomération de familles vivant dans la même région ou se déplaçant ensemble, ayant un système politique commun, des croyances religieuses et une langue commune. Au gré, franche volonté qu'on a de faire quelque chose. Au goût, à la mode, en vogue, tendance. La brise de mer est un vent qui se dirige de la mer vers la terre tout en étant doux. Nuée, nuage de grande étendue, généralement épais et sombre, annonciateur de pluie ou d'orage. Mufle, extrémité du museau de certains animaux, comme le bœuf, le taureau, et de certains fauves, comme le lion, le tigre. Étroit, qui a peu de largeur, effilé, mince et allongé. Cligné, fermé les yeux à demi, comme les lions, voyez. Flanc, chez les quadrupèdes, il s'agit de la partie qui rejoint la patte avant à la patte arrière, accoutumée selon les habitudes. Mes très chers amis, c'est ici que se termine cette séance. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo.